Et pendant ce temps, la première dame Sylvia Bongo Ondimba était dans le département de l'Ampassa, précisément à Franceville, où elle a échangé avec les femmes sur les difficultés qu'elles rencontrent. Nick Jocelyn Fauba. Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, n'est pas resté en marge de la série de visites initiées par la première dame dans le cadre de la tournée républicaine du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La troisième ville du Gabon a réservé un accueil exemplaire, digne, marqué par la présence des groupes socioculturels. Situé à l'est du Gabon, à 512 km au sud-est de Libreville, Franceville compte plus de 100 000 habitants. Les femmes et les filles du département de l'Ampassa et de la commune de Franceville ont souhaité la bienvenue à leurs sœurs, leurs filles et leurs mères. La première dame, les femmes de la commune de Franceville et du département de l'Ampassa vous expriment leur profonde gratitude et restent persuadées qu'ensemble nous ferons avancer la cause de la femme gabonaise et que nous travaillerons efficacement pour son autonomisation. Par ailleurs, depuis 2009, de nombreuses actions sont mises en œuvre par Monsieur le Président de la République pour l'autonomisation de la femme. Les femmes du Haut-Ogooué, à l'image de celles des autres provinces, rencontrent plusieurs difficultés. Lors de cet échange, les commerçantes, les personnes handicapées, les jeunes filles ont présenté leurs difficultés à la première dame. Femme de cœur, toujours proche des personnes fragilisées, Sylvia Bongo Ondimba a pris l'engagement de trouver les solutions à tous ces problèmes. Vous avez quel âge ? Vous avez ? J'ai 16 ans. Vous avez combien d'enfants ? Un seul. Quel âge il a ? Il a un mois et deux semaines. Tu continues d'aller à l'école ? Oui. Ça, c'est important. Normalement, avoir les enfants à 16 ans, c'est difficile, non ? Oui. Aujourd'hui, tu regrettes ? Oui. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir fait l'enfant ? Je ne l'ai pas fait de ma propre volonté, c'était la cause de la maltraitance. Mesdames, c'est pour ça que c'est important une famille. Après que le droit des femmes, c'est pouvoir aussi pouvoir élever ses enfants dans de bonnes conditions. Ça, c'est un problème particulier et qui me touche à cœur, c'est le droit des femmes et des enfants. La rencontre de Franceville a été riche en enseignements. Avec à ses côtés les femmes membres du gouvernement et du maire de la commune de Libreville, Sylvia Bongo Ondimba a souligné qu'il faut changer ensemble. Cette rencontre est le début d'une grande lutte pour permettre à la femme de Franceville et du Haut-Ogooué en général d'être autonome et de vaincre la pauvreté.